à tous. Je voulais vous demander d'abord si c'était mieux en français ou en anglais. Ma présentation est en anglais, j'imagine que tout le monde peut lire l'anglais. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français? Is there anyone who doesn't understand French? I think it's a better way of asking questions. We're all big. Everyone is okay with French? Okay. Je vais avoir la mission de lire mes slides en anglais et de traduire pendant que je parle. Ça va être intéressant. D'abord, je voulais vraiment beaucoup remercier tout le monde d'être là, de sacrifier votre soirée pour nous écouter parler. Merci beaucoup à l'organisation aussi, merci beaucoup à EDA. C'est la première fois depuis très longtemps que je suis invitée à un événement où l'introduction parle d'abolitionnisme. Donc c'est un moment qui est relativement émouvant pour moi parce que, comme je vais l'expliquer, New Roots a été fondé pour le droit des animaux et vraiment une volonté abolitionniste de l'exploitation animale. Je m'appelle Alice Fauconnet, je suis la cofondatrice de New Roots. Combien d'entre vous connaissent déjà New Roots? Ok. C'est une bonne nouvelle parce que je suis marketing, ça veut dire que je fais bien mon travail. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails business de l'entreprise. J'ai des slides là-dessus, mais je vais passer un peu vite. Je vais parler de choses qui sont plus sur le thème de ce soir. Notre tagline à New Roots, qui est aussi... par coïncidence, ce qu'on croit vraiment, c'est qu'on invente les traditions du futur. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour nous. New Roots a été fondé par mon cofondateur, Freddy et moi, il y a 8 ans, non officiellement et officiellement il y a 7 ans. En 2016, New Roots est devenue officiellement une entreprise. Freddy et moi étions devenus vegan pour le droit des animaux 2 ans auparavant. Et moi étant française et lui étant suisse, ce qui nous manquait le plus, c'était le fromage. Donc c'est un problème qu'on comprend très bien, qu'on comprend depuis le début. Et on n'a absolument pas commencé New Roots, enfin on n'a absolument pas commencé l'aventure avec une volonté de créer une entreprise. Parce que pour rester sur le thème de ce soir, moi je suis un peu anticapitaliste. Donc avoir une entreprise, c'était vraiment pas mon rêve, j'ai fait des études de sociologie. On a commencé à faire du fromage vegan pour nous en fait. Freddy était athlète professionnel, il s'est blessé, il s'est retrouvé avec beaucoup de temps entre ses mains. Freddy, c'est quelqu'un qui a besoin d'un projet. Donc je lui ai dit, bah, puisque tu as du temps et que le fromage nous manque, pourquoi ne pas essayer de faire de la fermentation? Aujourd'hui, on a une équipe de 35 personnes. On est dans le canton de Berne, on a un site de production de 2500 m² qui fonctionne sans énergie fossile, je reviendrai là-dessus. On crée des produits de crèmerie en version végétale, donc fromage en majorité, mais aussi produits comme crème de cuisson ou yaourt. On est disponible en Suisse et en Europe dans des milliers de magasins. Et on a vendu 3 millions de produits l'année dernière et on double à peu près nos ventes chaque année. J'imagine que la plupart d'entre vous savent déjà ça si vous connaissez New Roots, mais notre credo, nous, c'est vraiment d'utiliser les techniques et les infrastructures existantes de production de fromage et de crèmerie pour fabriquer nos produits. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'additifs, on n'utilise pas de procédés industriels, on fait du fromage exactement comme du fromage. Je n'ai pas le droit officiellement de dire qu'on fait du fromage, mais je pense que personne ne va me reporter au lobby laitier ce soir. Et donc, on fait du lait, je n'ai pas le droit de dire lait non plus. On fait du lait en majorité de noix de cajou. Et à partir de ce lait, on travaille exactement comme de la fromagerie et de la crèmerie artisanale. Et donc, c'est ce qu'on a fait depuis le début, c'est ce qu'on faisait pour nous au début, parce que nous, on mangeait et on mange bio et on essaye de manger sain, on essaye de faire des choix alimentaires qui correspondent aussi à nos lifestyles. On est des gens très actifs, on est des athlètes. Et donc pour nous, c'était logique de faire du fromage, de faire des produits traditionnels. Et donc notre mission, donc ça reste vraiment exactement sur le thème de la présentation de Tobias, c'est d'accompagner les gens
vers une transition. Alors, par contre, notre message, c'est vraiment qu'on aimerait que les gens deviennent véganes. On pense que c'est une urgence, on pense que c'est une question politique. Justement, j'ai apprécié la question sur le spécisme parce que je pense qu'il faut utiliser les mots. Et que New Roots a vraiment été créé avec une volonté d'adresser le spécisme et de donner une alternative. Comme je le disais, donc, nous, vraiment, notre but, c'est de garder les traditions, mais de laisser tomber l'oppression et l'exploitation des animaux. Donc on ne dit pas aux gens, il faut commencer à consommer de manière complètement différente. On leur dit, vous avez l'habitude de manger une fondue avec vos amis, vous pouvez toujours manger une fondue avec vos amis, mais la seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'animal qui est exploité et qui souffre et qui est tué derrière cette fondue. Notre but aussi, je vais en parler en fin de présentation, c'est de travailler plus avec des ingrédients locaux suisses, et complètement transformer le paysage de l'industrie laitière en Suisse. Et enfin, l'initiative qu'on a commencé il y a 4 ans, c'est qu'on a appelé One Person for the Animals. C'est qu'on fait des donations d'1% de nos ventes totales, donc pas de nos profits, de nos ventes totales, à des sanctuaires pour animaux, par exemple Coexister, je ne sais pas si vous connaissez, qui est pas très loin d'ici, ou Hofna dans la région de Zurich. Et aussi, à des fermiers qui souhaitent faire la transition de l'exploitation animale vers l'agriculture végétale. Je ne vais pas passer très longtemps là-dessus, mais notre site de production est un témoignage de notre engagement vers la durabilité également. Freddy, qui est un petit peu un super-héros, a aussi fait des études d'ingénierie mécanique. Et donc, il a mis en place un système sur nos nouveaux sites de production où on recycle 100% de l'énergie qu'on produit. On en a fait un patent qu'on a donné au gouvernement de Berne pour pouvoir l'implanter dans d'autres entreprises dans le canton de Berne et éventuellement dans l'Ouest de la Suisse aussi. Donc, c'est un système qui ne repose pas du tout sur l'énergie fossile. C'est une pompe qui marche au CO2, c'est-à-dire qu'on achète du CO2 qu'on prend de l'atmosphère. Et avec ce CO2, en fait, on crée un système de recyclage, de reusage de l'énergie qu'on crée. Alors, je vais passer vite là-dessus aussi. La fondue, vous allez la goûter juste après. Donc, le but à terme, et déjà maintenant, mais à terme, c'est vraiment de créer des produits de remplacement par les mêmes produits qu'on connaît déjà, mais en version végétale. Donc, notre best-seller, c'est le numéro 2, le Soft White. Merci pour lui. On a aussi ricotta, des fromages à tartiner, de la crème fraîche. Donc ça, c'est nos produits qui sont faits à base de noix de cajou. Je serais très déçue, j'ai pas de questions sur les noix de cajou à la fin, parce qu'on demande toujours pourquoi faire des produits à base d'ingrédients qui viennent de si loin. Je suis contente de répondre après. Donc ça, c'est fait à base de noix de cajou. Et on a commencé, donc je vais vous expliquer, mais on a commencé à faire des produits à base d'ingrédients locaux. Des graines de lupin et des pois chiches, pardon. Donc on a une crème de cuisine, de la raclette, un fromage à griller et des yaourts, qui sont déjà faits à base d'ingrédients locaux. On travaille tout le temps à l'invention de nouveaux produits. Donc voilà, on travaille en ce moment sur un fromage à pâte dure, des fromages qui peuvent fondre. Les fromages qui fondent, c'est compliqué en version végétale, en tout cas pour l'instant, parce que c'est difficile de le faire sans que ça soit très transformé pour l'instant. Donc nous, on essaie vraiment de travailler avec des ingrédients qui sont gras naturellement pour essayer de retrouver cette texture fondante. Pour l'instant, c'est un autre challenge. Et après, on veut couvrir les bases comme le beurre, le lait, tout ça. Et mon dernier point, qui est un point qui nous aide, d'ailleurs Freddy et moi et toute notre équipe, qui nous est vraiment proche du cœur, c'est que vous êtes parmi les premiers à savoir, hein, c'est qu'on travaille en ce moment donc, sur un fromage à pâte dure qui sera fait entièrement d'ingrédients locaux. Et l'histoire derrière ça, ce sera qu'on n'utilisera que des ingrédients qui ont été poussés, excusez-moi, je parle plus trop souvent en français, dont l'agriculture a été faite par des ex-fermiers. Donc en fait, on aimerait, c'est déjà quelque chose qu'on a mis en place, on achète déjà des graines de lupin par ces fermiers-là, mais à travers
une initiative qui s'appelle Transformation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je crois qu'il y en a qui sont émus. On soutient, donc nous financièrement, on fait pas grand chose de manière pratique. On soutient financièrement ce projet qui aide vraiment du début à la fin de la transition les fermiers, donc en les aidant à identifier quel genre de sol ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pousser sur ces sols-là. Les aider aussi soit à garder leurs animaux et évidemment ne plus les tuer et ne plus leur faire de mal, soit mettre les animaux dans des sanctuaires et les aider jusqu'à ce qu'ils aient une production viable de plantes. Et donc nous, on aide financièrement pour le projet au début et le but à terme, c'est donc d'acheter ces récoltes et de faire du fromage à pâte. On est content des résultats du fromage à pâte dure déjà, mais on attend vraiment que le système soit mis en place pour pouvoir soutenir ces fermiers avant vraiment de lancer le fromage qu'on espère de pouvoir lancer à la fin de l'année prochaine. Ce fromage-là, comme vous pouvez lire, ça demande 6000 fois moins d'eau et 20 fois moins de CO2 que du fromage qui est fait à base de lait d'animal en Suisse. J'imagine que vous le savez, mais la plupart des audiences devant lesquelles je parle ne le savent pas, mais la Suisse importe des milliers de tonnes tous les ans pour nourrir les vaches. Donc c'est une question qui revient régulièrement, c'est pourquoi faire venir des noix de cajou de très loin alors qu'on a du lait en Suisse. Alors, pour moi, le problème est éthique avant tout, mais si on parle uniquement d'un point de vue écologique, là, en fait, le lait suisse n'est pas local non plus. Et par ailleurs, les gens acceptent de manger du chocolat et de boire du café, ça ne pose pas de problème d'un point de vue écologique. Mais par contre, le fromage vegan, c'est là où ils sont pas d'accord. J'aime bien répondre ça quand on pose la question. Vous êtes gentil, mais des fois, il y a des gens qui essayent de me bloquer avec la question de notre cajou. Je leur demande s'ils boivent du café, ils ne voient pas le rapport, mais c'est toujours avec dame. Et donc, l'histoire, vous avez compris, j'imagine, mais le point final pour nous, c'est d'avoir une histoire, vraiment, où on explique que les traditions sont les mêmes, on respecte les traditions, on les honore. Moi, j'ai mangé du fromage toute ma vie avant de devenir végane, mon cofondateur aussi, j'imagine que la plupart d'entre vous aussi. On comprend ces traditions, on les respecte. La seule chose dans laquelle on refuse de participer, c'est de payer pour que des êtres vivants soient exploités, torturés et tués. Et c'est une idée, ça recoupe très très bien ta présentation, Tobias. J'espère de tout mon cœur qu'il y aura une révolution, mais en attendant la révolution, on peut consommer de manière différente. Moi, je n'ai pas tendance à appeler à soutenir Nestlé ou McDonald's ou quoi que ce soit. Je ne pense pas personnellement que ce soit la bonne manière de faire les choses, mais je pense qu'il y a quand même quelques entreprises éthiques en attendant qu'on ait peut-être des options différentes au niveau politique, mais pour l'instant, je pense qu'on a quand même le choix déjà d'acheter des fruits et des légumes et du riz et des pâtes sans acheter du fromage végan qui coûte cher. Mais je pense que vraiment, en tant que consommatrice et consommateur, on a un pouvoir, même si on vit dans un système qui n'est pas juste, et on peut utiliser ce pouvoir pour faire une différence, notamment pour les autres espèces. Merci beaucoup. C'est moi qui l'ai fait, donc. Je crois qu'il y a de la fondue qui chauffe. Ah oui, pardon, je prends des questions. Des questions. En fait, il y a deux choses. Justement, quand on mange du fromage, ceux qui sont à l'aide de ça, et qui sont un des arguments, ils disent par rapport à la noix de cajou, parce qu'il y avait eu plusieurs reportages là-dessus, qu'en fait, les femmes doivent la décortiquer, c'est très douloureux. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, je réponds que c'est absolument justifié, que c'est des questions extrêmement importantes à se poser. Nous, on ne travaille qu'avec des entreprises qui sont certifiées commerce équitable et on travaille avec des organismes suisses et allemands qui font des contrôles tous les mois pour nous dans nos fermes de noix de cajou. On travaille avec une ferme au Vietnam et une ferme au Burkina Faso. Notre but, c'est d'arrêter de travailler avec la ferme au Vietnam pour des raisons écologiques, pas pour des raisons éthiques, parce que dans les deux cas, les droits humains sont respectés. Le processus est automatisé, c'est-à-dire que personne n'utilise leurs doigts pour beurrer le macajou, mais on aimerait arrêter de travailler avec la ferme au Vietnam parce que ça fait quand même un transport relativement long.
et travailler avec la ferme au Burkina Faso, qui est vraiment un très très beau projet. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Gebana, qui est une entreprise suisse, et c'est leur projet à eux en fait qu'on soutient. C'est un projet vraiment associatif et communautaire qui soutient des communautés au Burkina Faso. Et c'est aussi une partie de l'histoire qu'on aimerait raconter une fois qu'on travaille avec plus d'ingrédients locaux. C'est aussi expliquer que oui, soutenir l'économie suisse c'est important, mais soutenir d'autres économies dans un monde global comme le nôtre c'est très important aussi, et qu'il y a des initiatives qui sont importantes hors de Suisse. Et oui, on a beaucoup de questions par rapport à notre cajou sur le plan écologique et sur le plan éthique, comme vous l'avez dit. Après, c'est comme absolument tout, hein. Les noix de cajou ne sont pas une exception. Il y a de très très gros problèmes éthiques au niveau des droits humains dans la production de beaucoup de plantes. Et donc, nous, c'est simplement sélectionner des fermes qui respectent le droit des êtres humains dans leur production. Donc, on peut très bien automatiser ça. Oui, absolument. Et si vous voulez des liens, j'ai les liens exactement vers les fermes avec lesquelles on travaille qui sont très bien documentées. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais deux questions. La première, c'est, j'ai jamais entendu parler de vos produits. Est-ce que vous êtes, vous vendez genre dans la Migros, dans la COP ou ce genre d'endroit? Et ma deuxième question, il y a quelques années, j'avais lu un article dans une presse qui parlait d'une activiste climatique pour droits des animaux. On avait adressé un prix de la phrase la plus stupide selon les journalistes, et en fait, elle parlait fait qu'il fallait penser à la reconversion professionnelle des bouchers. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi on avait donné un prix de stupidité, parce que ça me semble être la chose la plus logique, en fait, si on est dans une perspective où on veut changer les choses. Et du coup, je trouve l'initiative super dans la reconversion des fermiers. Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous êtes perçu par ce genre de producteurs, et comment est-ce qu'eux, ils en viennent à venir vers vous. Est-ce que c'est pour des enjeux de type économique ou est-ce que c'est pour des enjeux de type éthique? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. On est vendu à COP et à Migros, déjà. On n'est pas très bien distribué en Romandie. On est mieux distribué en Suisse allemande, malheureusement, mais dans les grandes COP et dans les grands Migros, vous pouvez trouver nos produits. Peut-être que vous pouvez demander des conseils aux gens autour de vous, parce que moi je dis à tout, donc je ne sais pas trop. Pour la deuxième partie de la question, alors déjà je vais faire un petit commentaire sur le fait que je pense que si c'était un homme qui avait dit ça, on n'aurait pas traité de stupide. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai été militante antispéciste, très, entre guillemets, agressive pendant longtemps et très anti-dialogue avec l'autre côté de l'exploitation animale. Et en fait, j'ai appris, donc je pense que c'est mon grand âge et la maturité, j'ai appris que même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est important de dialoguer. Donc c'est vrai qu'on a ouvert la porte, notamment quand on parle dans la presse maintenant, on dit qu'on n'est pas anti-fermier, on est anti-exploitation animale, on n'est pas contre les individus eux-mêmes, on est contre la pratique. On comprend que les gens font des choix de vie pour des raisons qui sont souvent très rationnelles. On a maintenant de très bonnes relations avec pas mal de fermiers qui font ça de génération en génération. Qui ont appris à faire ça, qui ne savent faire que ça. Et donc je pense que savoir se respecter à un niveau humain, c'est extrêmement important. Et je pense que quand nous, on arrive avec une attitude de « on ne vous juge pas, vous, personnellement, on pense que cette industrie est injuste », on a une réponse qui est complètement différente que si on leur dit « ce que vous faites est mal ». Et c'est vrai que nous, quand on a changé notre attitude et notre communication, ça nous a énormément aidé. Et en fait, je me rends compte qu'en créant des ponts, en créant des synergies, on a des résultats qui sont beaucoup plus vertueux, même en disant nous, notre but ultime, c'est d'arrêter complètement l'exploitation des animaux. Et je pense que en étant honnête et respectueux avec les gens, on leur permet aussi à eux d'être honnêtes et respectueux envers nous. Et donc il y a toujours des exceptions, évidemment. Il y a des fermiers, il y a des bouchers, il y a des fromagers qui ne veulent absolument pas entendre de nous, et on respecte ça. Mais de manière générale, on a quand même de très bonnes relations, et Virginia de coexister, pour celles et ceux qui la connaissent, c'est quelqu'un qui, c'est une amie très proche, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, moi, à avoir une approche de compassion. C'est aussi quelqu'un qui est extrêmement engagé envers l'arrêt de l'exploitation animale, mais qui a une capacité à dialoguer, à écouter les gens, et à avoir de la compassion envers les gens qui ne pensent pas comme elle, qui m'a énormément aidée et m'a énormément inspirée. Et je pense que c'est la meilleure manière de faire les choses, c'est vraiment de garder le dialogue ouvert,
de ne pas juger les gens individuellement, d'avoir des conversations qui sont plus sur un plan systémique que sur un plan personnel. Et une énorme majorité de fermiers, en fait, disent qu'eux, ils ne font pas ça par passion, ils font ça parce que c'est ce qu'ils ont appris à faire, c'est ce que leurs parents faisaient, qu'ils se rendent compte, eux, que, voilà, par exemple, retirer les veaux à leur mère, la mère pleure pendant des heures et des jours, et le veau pleure pendant des jours, que c'est pas quelque chose qui leur fait plaisir, que c'est quelque chose qu'au fond d'eux, ils savent que c'est pas correct moralement, mais qu'ils savent pas faire autrement. Donc je pense qu'on se donne l'opportunité, les uns et les autres, à avoir de meilleures conversations, des conversations plus productives, et à vraiment travailler sur un changement de fond et pas simplement un changement capitaliste de, au lieu d'acheter du lait de vache, acheter du lait d'avoine. Les fermiers sont victimes de... Exactement. Il y a, je crois, un fermier par mois qui se suicide. Il y a énormément de problèmes psychologiques à ce niveau-là. Alors, nous, on va plutôt vers les fromagers pour apprendre la fromagerie. On travaille avec des fromagers qui sont devenus véganes, mais on travaille avec des fromagers dans notre équipe. Nous, on n'a pas énormément de relations directes avec les fermiers, à part si c'est sur un plan personnel, parce qu'ils nous contactent, parce que ça les intéresse. Pour le projet Transformation, ça passe avec les personnes, c'est Sarah et Florian du Centre Hofnal qui sont en charge de ça. Et nous, on soutient ça financièrement. Quand nous, on a des relations avec des fermiers, c'est plus par coïncidence, c'est parce que ça les intéresse. Mais pour le projet Transformation, c'est jamais Transformation qui va vers les fermiers. Ils ont vraiment créé un système où les fermiers savent qu'ils existent et c'est les fermiers qui viennent vers eux. Donc, personne n'est forcé de faire quoi que ce soit, c'est vraiment complètement volontaire. Je vous en prie. Bon, ça sent la fondue. C'est bon ? On peut passer à la dégustation. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup.